Eh bien bonsoir, bienvenue sur Kishni FM. Il est 20h comme d'habitude, dimanche soir. Ah, on a déjà notre invité qui nous fait des grisouilles. Ah mince, mon micro doit être mal réglé. Non, mais c'est pas grave, je pense qu'à mon avis Voilà. c'est quand tu bouges et ça doit frotter le micro et du coup ça fait. Mais c'est bien, du coup tu nous signales déjà ta présence. T'inquiète pas, on sait que tu es là, mais on va venir à toi, t'en fais pas. Juste ce que je voulais dire en préambule, c'est que bah voilà, on est dimanche soir et que bah ça va piquer pour certains à partir de demain, vu que bah c'est la reprise pour certains, c'est la fin d'un viaduc pour d'autres comme moi par exemple. Mais grâce à notre invité du jour, qui en est à sa deuxième participation, on va commencer à avoir l'habitude de faire chauffer nos méninges, et c'est parfait pour avant la rentrée. Je sais pas ce que t'en penses OCM, déjà bienvenue et bonsoir à toi, mais là ça va être Bonsoir parfait pour reprendre. Kishni. Ah oui, sans doute, oui. Histoire de Ouais, parce réfléchir un que petit peu avant de repartir. c'est ça, parce que déjà le dernier podcast qu'on avait fait. Déjà, tu nous as appris pas mal de choses, mais on a bien réfléchi, c'était passionnant. Et ce soir, du coup, donc je connais le sujet, des fois je le connais pas, ça dépend. Mais là, ouais, donc du coup, je connais le sujet. Et du coup, on va parler, si j'ai bien compris, d'objectivité, de subjectivité, et d'en fait, bah, de se dire que l'objectivité, en quelque sorte, n'existe pas, et que la subjectivité, l'avis de chacun en fait, est égal. Si j'ai bien compris, on va partir là-dessus, qui me semble être un sujet passionnant, encore une fois. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. D'abord, pour expliquer le pourquoi du comment, l'origine, c'était lors d'un de mes cours de philo. On a étudié Kant. Alors, il faut savoir que je suis très grande fan de Kant. J'aime beaucoup ses textes. Je me retrouve pas mal dans ce qu'il dit. Et là, en l'occurrence, on étudiait l'art. Et donc, on a pris un texte de Kant où il expliquait que, en fait, personne ne s'en rend compte. Mais chaque fois qu'on dit c'est agréable ou c'est bien ou j'aime beaucoup, on sous-entend toujours pour moi. Et aujourd'hui, ce qui est embêtant et ce que je remarque souvent sur Internet, c'est que beaucoup de gens l'ont oublié ça. Oui. Ce sous-entendu sans arrêt qu'on emploie sans arrêt. Oui, parce que on va dire quelque chose en fait qu'on ressent. En fait, on va le dire par rapport à nos propres ressentis, mais nos ressentis ne seront pas forcément ceux d'un autre. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ce que Kant dit, c'est on essaye d'être objectif uniquement quand on dit c'est beau. Oui, quand Il on n'a essaie. pas de le jeu, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, il explique que la notion de beauté, on ne l'emploie pas à la légère. Et c'est vrai que bah, si ceux qui nous écoutent veulent faire le test, on ne dit jamais c'est beau à la légère. On réfléchit, on a toujours un gros temps de réflexion avant. Et de le dire même à quelqu'un d'autre. Ça. On fait ah, c'est beau, ah, c'est beau quand même, hein. Ouais, c'est On ça. en est ce genre-là à se dire ouais. Mais oui, Et parce que. donc, Kant explique que cela, c'est parce que la notion de beauté inclut quelque part un peu une objectivité. Sauf que ce qu'il dit, c'est que malheureusement, l'être humain n'est pas apte à l'objectivité. Certains philosophes ne suivent pas forcément cette ligne-là. Descartes, par exemple, dit qu'on peut être, enfin, d'après ce que j'ai vu dans mes cours de philo, dit qu'on peut parfois être objectif, mais Kant, lui, il dit que notre condition d'être humain fait qu'on ne peut jamais totalement effacer le sujet, donc la subjectivité, donc on ne peut jamais être totalement objectif. À cause de nos émotions, je suppose. C'est ça. C'est Mais le sujet, tout ce qui fait nous, quoi, nos souvenirs, nos émotions, nos tout ce qu'on a expériences. vécu, Ouais, voilà. exactement. Voilà, ben, j'allais y venir. Non, mais c'est bien, tu vois, regarde. Moi, ça fait déjà quelques années que j'ai quitté le lycée. Et la philo, c'était presque la seule matière qui me faisait kiffer, tu vois. Et ben, grâce à toi, je refais de la philo. C'est génial. Merci, OCM. C'est rien. Non, mais c'est vrai, en plus on avait un super prof, donc du coup c'était passionnant. Après, pour ceux qui ont des mauvais profs, c'est dommage parce que voilà, ça gâche un petit C'est peu une toujours matière ça. bon. Enfin, ça gâche une matière que je trouve passionnante et pas qui est passionnante parce que sinon, hein, non, c'est mon Voilà. propre ressenti, voilà. La subjectivité. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant.
Et ouais, on a tendance à l'oublier, on l'oublie dans les débats, dans les discussions, en fait, tout simplement. Et on a tendance à faire passer notre avis parfois pour une généralité. Et surtout, j'ai encore été confronté aujourd'hui dans le cadre de mon travail, et ben, quand tu exprimes quelque chose, ta pensée personnelle, et parfois ça te semble tellement évident que la personne qui va penser différemment, tu vas dire, mais c'est pas normal. Oui, c'est ça. C'est ce que Kant dit aussi, c'est que par contre, ce qu'il ne sait pas expliquer, c'est pourquoi spécifiquement, quand on dit c'est beau, on demande à l'autre quelque part d'être d'accord parce que c'est quelque chose qui prétend à l'objectivité. Donc, il y a quelque part une part d'objectivité. Ça, par contre, je suis pas forcément allée plus loin que ça dans mon cours et on avait laissé la question en suspens. Est-ce que du coup, le goût s'éduque? Est-ce qu'on aurait tous quand même des critères qui font qu'on est tous censés apprécier une chose si elle est objectivement belle ou pas? Eh ben, tu sais quoi, on va y répondre pendant ce podcast. On va y répondre justement. Mais ouais, c'est vrai qu'on a toujours tendance, on a tendance à demander si oui, si effectivement c'est oui, un avis universel. Mais est-ce que ce serait pas aussi pour se rassurer, de se dire, est-ce que je suis normal de trouver ça beau? Tu vois? Oui, c'est ça, peut-être aussi. C'est une des réponses possibles. Moi, ma réponse qui me vient tout de suite, tu vois, sans avoir parlé, sans avoir réfléchi, c'est que pour moi, l'objectivité n'existe pas. C'est. Voilà, pour moi, quelqu'un d'objectif, ce serait une entité inhumaine, dénuée C'est ça. d'émotions, d'expériences, et donc ce serait par exemple une machine. Et pour moi, même une machine, c'est un humain qui lui aura implanté dans son intelligence artificielle le fait qu'elle trouve telle chose ou telle chose beau, telle chose pas beau. Pour moi, enfin voilà, et je crois que ça va être ma réponse, hein, c'est que pour moi, l'objectivité n'existe pas. Oui, bah, j'avoue que je suis tout à fait d'accord. Bon, on est sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est très bien. Mais pour ceux qui seraient contre cette idée, voilà, c'est un avis subjectif pour dire que l'objectivité n'existe pas. Mais si vous, de votre côté, vous avez votre propre avis et que vous pensez qu'on peut être objectif, ben allez-y, exprimez-vous. Mais justement, on va essayer de partir un peu là-dessus, vu qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que l'objectivité n'existe pas. On va essayer de définir, au final, ben, on va faire par l'absurde. On va dire, ben, qu'est-ce que l'objectivité alors? Enfin, je sais pas, à part si tu avais d'autres axes sur lesquels tu voulais développer avant, il n'y a pas de souci, hein. Non, non, bah écoute, on peut partir sur ça, oui, bah Oui, parce que c'est qu'est-ce vrai que l'objectivité, bah c'est tout de même très dur en tant qu'être humain, parce qu'effectivement, tu te dis que, enfin, je sais que quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais effectivement, si on voulait vraiment être objectif, on serait dénué de tout ce qui fait qu'on est humain, les sentiments, les émotions, la mémoire. Ah ouais? Ce que j'avais dit une fois à quelqu'un. Parce que j'aimais beaucoup un film, je ne me rappelle plus lequel c'était, que beaucoup de gens détestaient, et je lui avais dit, bah oui, mais tu vois, peut-être que objectivement, il n'est pas bon, mais subjectivement, moi je l'ai vu quand j'étais toute petite, ça m'a laissé un souvenir très fort, donc subjectivement, je l'aime. Et je lui ai dit, dans ce cas-là, je n'arriverai pas à être objective parce que je ne peux pas me défaire de souvenirs. Et que fatalement, bah, l'objectivité sur ce plan-là m'est interdite. Mais je l'ai dit, pour moi, c'est pas forcément un souci. D'accord, et eh ben tu soulèves justement un truc intéressant qui pourrait peut-être remettre en question notre avis. C'est le fait que tu as dit, objectivement, le film n'est peut-être pas bon, et subjectivement, moi je l'ai. Mais tiens, ça me fait penser à des vidéos de MJ, je crois qu'il a fait des bons des mauvais films que j'ai aimés, et Oui, c'est ça. voilà, bon, des trucs comme ça. Mais alors, du coup, mais ça me fait aussi référence à Durandal qui, justement, lui, par rapport à sa vidéo sur Star Wars 8, très récente, sur les pourquoi j'ai raison et vous avez tort. En fait, parce que quelque part, quand les gens me disent, tiens, parce que depuis la sortie de la vidéo de Durandal, forcément, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi, ils m'ont partagé le lien, ils me l'ont balancé, ils m'ont dit, tiens, mais regarde à quel point en fait il est mauvais et tout ça. Et moi, justement, de la même manière que toi, je leur ai dit, mais moi, personnellement, je l'ai aimé. Parce qu'il m'a fait ressentir des choses, mais après, peut-être qu'au niveau cinématographique, effectivement, il y a peut-être des loupés. Et c'est là où je me dis, mais attends, est-ce que, du coup, l'objectivité. Ah, c'est difficile à exprimer, mais.
comment dire? Est-ce que c'est le plus important? Alors, oui, oui, mais en fait, je voulais plutôt partir sur le fait que nous, on dit que l'objectivité n'existe pas. Mais par exemple, pour un film, est-ce que l'objectivité d'un film, est-ce que s'il est bon ou mauvais, c'est d'un point de vue cinématographique? Et auquel cas, est-ce que le définir en tant que, avec des qualités et des défauts, point de vue cinématographique, en fonction, je sais pas moi, des fondus, de la caméra, de machin, est-ce que c'est ça l'objectivité ou est-ce que c'est encore de la dimension humaine? Ça, c'est. J'avoue que c'est ça qui me posait un peu question parce que je sais que par exemple, pour reprendre l'exemple de la vidéo de Durandal, je sais que j'ai beaucoup dit aux gens qui me l'ont envoyé, j'ai dit oui, si vous voulez, mais moi je trouve que sa vision est totalement faussée parce que lui, il parle effectivement de cinéma, d'intrigue, de. En fait, il a une logique très mécanique, enfin, une logique pour reprendre les mots qu'on connaît, une logique de marionnettiste. Ouais. Et moi j'ai dit, je prends le film totalement à l'opposé et je le trouve très bon. Alors j'ai dit, si on veut parler comme vous dites objectivement, de quel point de vue on part? On ne sait pas. Mais alors, est-ce que ce point de vue mécanique qu'il a, est-ce que ce serait pas de la subjectivité, en fait, au final? Une forme de C'est ça. subjectivité? Parce que, Une des formes, oui. ouais, voilà. D'où le fait, enfin, si on creuse le fait que l'objectivité n'existe pas, on pourrait dire que bah, si tu juges un film de par ses qualités cinématographiques, alors dans ce cas, tu juges avec une certaine subjectivité. Je dirais même une sous-partie de la subjectivité. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais. Mais si, c'est tout à fait ça. Parce C'est que. une subjectivité d'un certain point de vue. Parce que dans ce cas, ouais. Je désactive en quelque sorte mes émotions, mais j'active les critères cinématographiques. Et dans ce cas-là, oui, je pense que tous ceux qui aiment avec leurs émotions Star Wars 8 pourraient détester Star Wars 8 d'un point de vue cinématographique. Mais je pense qu'en fait, il a cette subjectivité-là parce qu'il est dans le milieu, parce qu'il aime ça, parce que. Sa vie en est remplie et en quelque sorte, plus tu appartiens à un domaine, plus ça te saute aux yeux, tu vois, les trucs qui vont et les trucs qui ne vont pas. Et donc du coup, au final, je le vois comme ça, j'ai l'impression que tes émotions sont remplacées, entre guillemets, par tes connaissances. Oui, il y a ça aussi dans la forme de subjectivité, les connaissances, l'expérience sensorielle. Attends, excuse-moi, fais attention, peut-être que tu manipules ton micro parce que là j'ai beaucoup de frottements contre le micro. Donc Ah. je sais pas si. Je sais pas s'il est Alors. trop près de quelque chose ou si tu le touches ou quoi que ce soit. Mais j'entends beaucoup de frottements, c'est. Voilà. Là ça va, hein. C'est quand tu bouges D'accord. peut-être. Ouais, c'est ça. C'est peut-être parce que je ne bouge pas. Voilà, ouais, mais c'est quand tu bouges que j'entends les. Après, je te demande pas de pas bouger non plus, tu peux respirer, tu peux. Mais. Encore heureux. Non, mais ouais, mais c'est super intéressant. Ouais, au final, c'est une forme de subjectivité. Mais c'est vrai que ça, c'est un sujet super intéressant parce que justement, on est dans l'ère de la critique, on est dans l'ère de l'opposition de point de vue, on est aussi dans l'ère de le buzz. Et on est dans l'ère de, tiens, bah, si je pense pas comme les autres, je suis du coup unique, et du coup on va me regarder, on va m'écouter. Je dirais même que parfois, il y en a qui jouent sur ces différents aspects de la subjectivité, ou qui jouent sur l'objectivité, pour essayer un petit peu de se sortir de leur. En fait, ils essaient de taire leurs émotions, pour essayer de trouver des critères inhumains ou du moins qui n'est pas propre aux sentiments, aux émotions, et qui du coup bah ça ouais forcément tu sors un peu du lot en faisant ça et tu te fais voir. Bon, mais après je dis pas que c'est forcément ce que fait Durandal, parce que je l'ai dit, Durandal lui il a des connaissances, donc forcément il voit des choses que nous on ne voit pas. Et il y a des choses qui va plus le titiller et qui du coup va altérer son avis et faire en sorte que lui, bah, il va moins aimer que nous. Donc limite, parfois, pour aimer un film, il faudrait pas en connaître trop. C'est comme la magie en fait. Si tu veux apprécier la magie, il faut pas connaître les trucs. C'est ça. Ouais, c'est pas con ça. Ouais. Si. Ouais. Alors dans ce cas, on va dire oui, mais alors dans ce cas, si tu veux aimer les films, faut être naïf.
ou faut pas, faut pas être intelligent. Ça me fait Non, pas penser. forcément, parce que si tu veux, je sais que moi, mes amis me disent beaucoup que je ne sais plus apprécier un livre, parce que comme je suis sur mon forum d'écriture, je Ouais. fais beaucoup de critiques pour aider les auteurs. Et donc, quand j'ai un livre papier d'un éditeur et d'un auteur édité entre les mains, je vais laisser activer cette fonction de critique. Donc, je vais voir Oui. aussi plus de choses. Mais je leur ai souvent dit. Ça m'empêche pas d'apprécier un livre, c'est juste que à la période où c'était ça, j'étais tombée sur beaucoup de livres que moi je n'avais pas du tout aimé parce que c'était rempli justement de défauts que je voyais parce que j'avais appris à les reconnaître. Mais je leur ai dit, c'est pas parce que j'en sais beaucoup que tout à coup je vais moins aimer un livre parce que je peux très bien décider de désactiver cette fonction. Ou de la laisser activer, mais c'est le livre qui va m'entraîner avec lui, et tout à coup, il n'y aura plus besoin de critiquer ou de dire, tiens, ça va pas, ça va pas. Il y aura juste à se laisser porter. Et du coup, maintenant, je place mes critères de sélection sur ces livres-là qui arrivent à me faire désactiver la fonction, ou au moins à m'emporter suffisamment pour que je n'y pense plus. Ouais, et puis tu soulèves du coup un point intéressant, c'est que bah au final, même si tu les vois les défauts, est-ce que pour autant ça en fait ça en descend la note ou ça en descend le Non, pas la forcément. vie que tu vas avoir? Parce que tu vois, c'est un très bon exemple. Toi, tu lis beaucoup, du coup, tu te rends compte de beaucoup de choses. À l'image de Durandal, par exemple, qui, lui, dans le cinéma, va tout de suite reconnaître les choses qui vont et qui ne vont pas. Mais que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, dès le moment où il y a quelque chose qui n'est pas... parce que là aussi, il faudrait dire, bah oui, mais si ça va pas, est-ce que c'est forcément normal? Est-ce que c'est la norme? Est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'il y a une norme cinématographique? Est-ce qu'il y a une norme... Tu vois, comme par exemple, je sais pas, il gueule contre les volets qui sont mal utilisés. Est-ce qu'il y a une norme, en fait, au final? Est-ce que si c'est mal utilisé selon lui, est-ce qu'au final, c'est pas bien? Tu vois, bon, il y aurait ça à développer, mais on va un peu trop loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu peux te rendre compte des choses qui ne vont pas, mais s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément ce qui va descendre le film ou le livre, et au final, c'est peut-être même ce qui va le rendre unique. Parce que parfois, des films sont bons, justement parce qu'ils ont des défauts, parce qu'ils ont des trucs qui vont pas très bien, mais ça les caractérise, ça les rend... Ouais, ça leur donne un certain cachet, une certaine unicité, qui fait que du coup, ben, on s'y attache plus qu'à un autre. C'est comme un être humain, bon là aussi on rentre dans la norme, oui mais alors qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, mais bon, pour quelqu'un qui voilà va avoir ce qu'on appelle bah, des défauts, bah parfois tu peux l'aimer avec ses défauts, et s'il les avait pas, bah ce serait pas lui, ce serait pas la même personne. Donc il y a peut-être une forme d'intelligence à savoir, effectivement, c'est peut-être ce que tu fais, c'est-à-dire à te rendre compte, ouais, des choses qui vont pas, mais que si pour toi le livre arrive à t'emporter, bah pour toi peu importe, c'est ça le plus Ah, c'est important. tout à fait ça. C'est toujours ce que je fais. Si vraiment là ça commence à gêner, à entraver ma lecture, là je me dis il y a vraiment un souci. Il faut le signaler. C'est ça. Mais par contre, les défauts que toi tu vas voir qui vont pas te gêner vont peut-être gêner quelqu'un d'autre. Et c'est là où pour moi, eh ben, on rentre encore une fois dans la subjectivité. Parce que des défauts que tu vas voir, mais qui ne vont pas te gêner. Ces mêmes défauts qui vont gêner les autres, ils vont les gêner parce que, je sais pas, parce que le gars, dans sa jeunesse, il aura vécu quelque chose qui lui aura laissé un mauvais souvenir, et il retrouve ça dans le défaut du livre, et du coup ça l'impacte directement, et c'est pour ça qu'il n'aime pas ce défaut. C'est à cause d'une de ses expériences. Encore une fois, on y revient, et ça appuie pour moi le fait que l'objectivité n'existe pas. Et la subjectivité partout. Voilà. Et comme tu disais, voilà, c'était la deuxième chose que tu m'avais marqué, c'est que pour toi, toutes les subjectivités sont égales. Oui, ça en fait, c'est quelque chose que j'ai tiré en fait du coup de Kant. Après avoir lu son livre et donc m'être aperçu que finalement l'objectivité, on pouvait que essayer et encore essayer, c'est un bien grand mot, et que tout le monde était subjectif, je me suis dit, dans ce cas, si on est tous subjectifs,
À quoi ça sert de nous comment, de nous frapper les uns contre les autres, comme si on était deux béliers qui se frappaient les cornes l'un contre l'autre pour savoir qui est le plus fort et qui a raison. Je me suis dit, au final, c'est peut-être très stupide finalement tout ce qu'on fait en mode bah non, c'est moi qui ai raison, non mais regarde avec cet argument, c'est moi qui ai raison, non, parce que si tu voyais ça, tu saurais que c'est pas vrai. Au Attention, final, je me. attention, je me permets de te couper parce que là j'entends beaucoup de frottements là. Alors Décidément. je sais pas si c'est tes cheveux qui sont contre, je sais pas, hein, ou un bout de. Non, je ne sais pas du tout. Parce que ouais, j'entends pas mal de frottements. Là, c'est bon, j'entends plus rien. Ah là, ça va être bon alors. Ah, nickel. Bon. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'était bien intéressant, ouais, le fait que oui, pourquoi en fait on confronte nos avis, à quoi ça sert en fait au final? Alors, c'est pas forcément, je vais pas forcément dire à quoi ça sert, parce que je me suis dit, avec cette philosophie-là, on va me dire, bah oui, mais dans ces cas-là, plus personne débat, tout le monde garde son avis pour soi et c'est tout. Je me Exact. suis dit, bah non, pas forcément, vous avez droit de le partager entre vous, et peut-être que le fait que quelqu'un dise quelque chose, ça va faire réfléchir l'autre à propos de ce que lui-même pense, et il va au final décider si. Ah oui, tiens, ça je l'avais pas vu. Est-ce que ça impacte finalement ce que j'ai vu ou pas? Finalement, pour moi, c'est ce qui s'est passé devant la vidéo du Durendal. Je me disais, je regarde un autre point de vue subjectif. Est-ce que comment ça m'impacte en fait? Exactement. Et j'y ai encore réfléchi quand j'ai regardé une vidéo d'un autre youtubeur qui disait que on était parfois stupide de regarder des vidéos de youtubeurs cinéma pour savoir. Qu'est-ce qu'on devait aller voir au cinéma finalement? Et je me suis dit, ben, moi personnellement, si je regarde des vidéos de youtubeurs cinéma, déjà je ne regarderai pas pour savoir ce que je vais aller voir au cinéma. Parce que j'ai tellement de chaînes et j'ai tellement de youtubeurs différents que finalement, si je décidais de les écouter tous, je n'irais rien voir. On voit aucun. Oui, parce que tu confrontes toutes les subjectivités de chacun qui ont aimé ou pas, et au final, bah ouais, tu regarderais rien. C'est ça. Et je me suis dit, bah non, si je regarde une vidéo, c'est que je veux simplement savoir ce que quelqu'un d'autre en a pensé. Juste savoir, je sais que même j'ai re-réfléchi ensuite à ce que je faisais quand j'étais petite et je me suis dit, c'est exactement ce que je faisais. J'étais à chaque fois super contente quand il y avait un débat dans la classe parce que je me disais, eh ben je vais voir l'avis des autres. Et au final, je m'en fichais parce que je savais que j'avais mon avis et que ce serait très étonnant qu'il change. Mais je voulais simplement savoir ce que les autres en pensaient et je me suis. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur la subjectivité égale, je me suis dit, bah voilà, c'est ça. Si on considère que toutes les subjectivités sont aussi égales, aussi respectables entre elles, à partir de ce moment, déjà, il n'y a plus d'insultes. C'est déjà plus agréable, sans doute. Et ensuite, tu pars juste sur une discussion beaucoup plus posée, beaucoup plus apaisée. Et la question sous-jacente, c'est juste, bah toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Je veux savoir. Et c'est juste une question de savoir, d'enrichir ses connaissances, d'enrichir sa propre subjectivité. Et au final, d'avoir un comportement beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Et simplement d'avoir simplement une attitude bienveillante à l'égard de l'autre, finalement. Oui, mais tu as complètement raison. De toute façon, un débat qui se passe bien, c'est un débat justement où il y a des échanges, où il y a un partage et où on expose notre avis sans vouloir l'imposer. Un débat commence à mal tourner dès le moment où quelqu'un souhaite imposer son avis en disant « Mais non, mais c'est pas possible, comment est-ce que tu peux penser ça? Tu vois bien qu'il y a ça ne va pas. » Voilà. Et c'est vrai que t'as bien raison quand t'as parlé aussi sur la vidéo de Durandal, quand tu disais, voilà, bon, tu l'as regardé, t'as vu qu'il y avait des choses qui, effectivement, peut-être de point de vue cinématographique, n'allaient pas, mais tu as dit un truc intéressant, c'est, est-ce que moi, ça m'impacte? Est-ce que moi, ça va altérer mon avis du film? Et c'est exactement ce que je me suis dit inconsciemment quand j'ai vu sa vidéo, c'est que j'ai vu des choses qui n'allaient pas. Effectivement, d'un point de vue cinématographique, ou qui était allé pas trop dans la norme, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais et alors? C'est tout à fait ce que je me suis dit. Est-ce que je l'aime encore, le film? Est-ce que c'est. Oui, bah, et alors? Et limite, en fait, quand on me partage les liens, le lien de Durandal en me disant, mais t'as vu, il y a ça et tout, mais en fait, au final, faut tout simplement dire, bah oui, il y a des choses qui vont pas, comme dans tous les films, peut-être. Mais
Et alors? Parce qu'en fait, t'as l'impression que maintenant, en fait, aujourd'hui, un film, tu ne l'aimes plus justement avec tes sentiments, avec tes émotions, mais plus tu vas lui trouver de défauts, plus il doit être mauvais. C'est. Du coup, en fait, ça me fait penser, et c'est là où je me rends compte, grâce à cette discussion, grâce à ce podcast, là où on va partir sur le domaine des jeux vidéo maintenant, un petit moment, juste pour dire que on avait beaucoup, et on a encore, des sites qui listent les qualités, les défauts, et en fonction du nombre de défauts qu'ils ont trouvés, c'est ça qui va faire descendre ou monter la note en fonction des qualités. Ah, attends, je crois que j'ai compris ce que c'est l'objectivité. Ah, je crois que j'ai compris ce que les gens appellent l'objectivité. Ils prennent une norme qu'il y a dans le secteur, la littérature, le cinéma, le jeu vidéo et bien d'autres secteurs. Ils l'appliquent à une œuvre et ils mettent une note à moitié, 50, 50%, 10 sur 20, voilà, et ils la font monter. Ils font ça inconsciemment, hein, avec les qualités, et ils la font descendre avec les défauts. Du moins, ce qu'ils appellent des défauts en fonction de la norme du secteur. Je ne sais pas si tu me suis. Si. Et en fonction de ça, ça va donner une note. Et pour eux, ça représente l'objectivité. Ce qui n'est pas faux, et c'est peut-être pour moi, en fait, au final, la meilleure, entre guillemets, objectivité envers laquelle on pourrait tendre. Mais la véritable note, au final, qu'on pourrait mettre pour moi, c'est il y a ses qualités, ses qualités, ses qualités, il y a tous ces défauts-là, et pourtant, eh ben, je lui mets 89%. Voilà. Et, sauf qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai regardé justement avec la sortie très récente de Red Dead Redemption 2, il y avait une vidéo justement de jeuxvideo.com qui lui ont mis 19 sur 20. Et dans la vidéo test, il liste les qualités, les défauts, et il liste quand même pas mal de défauts. Et les gens dans les commentaires se sont insurgés en disant « Ouais, mais vous avez cité beaucoup trop de défauts pour qu'il ait 19 sur 20. » Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, dans la tête des gens, c'est plus il y a de défauts, alors plus ça doit être mauvais. Exactement comme pour Star Wars 8, voilà. On a vu que Durandal, il a trouvé pas mal de défauts, donc ça doit être mauvais. Tu vois? Alors que la personne qui a mis 19 sur 20, et c'est là où... Oh, justement, pour les magazines comme ça qui donnent des notes, bah en fait, pour moi, tous les rédacteurs devraient donner une note et devraient faire peut-être une moyenne. Mais pour moi, la personne qui a mis 19, c'est quelqu'un qui, ok, elle a vu tous ces défauts-là, mais pour elle, ça lui passe au-dessus. Et l'expérience de jeu a été géniale et c'est pour ça qu'elle lui a mis 19. Voilà, donc, ouais, c'est pour moi, ouais, ce serait peut-être la meilleure objectivité de se baser sur le point de vue du secteur, sur les critères du secteur, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté. Si, sans doute, mais après le souci, c'est que quand une œuvre est différente et que tout le monde va la trouver mauvaise, alors que peut-être finalement le secteur avait besoin de ça. Je sais par exemple que moi, en ce moment, Oui. je me concentre pas mal sur le young adult. Sur le? Et le young adult, c'est une section de livres. Jeune adulte, C'est si je ça. traduis bien. C'est tout à fait ça. Oui. Moi, je traduis aussi pour tout le monde parce que bon, Jung, on sait pas forcément ce que ça Ouais, c'est signifie. ça. Ok, d'accord. Et donc, j'ai essayé de. Parce que je sais que je lis beaucoup ça. Et ce que j'écris. Enfin, ce que j'écris. Ce que j'écris est très difficilement classable. Donc, D'accord. voilà. Mais j'essayais de me dire. Ben. C'est vrai, il y a beaucoup de critères dans ce milieu. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un livre qui arrivait au milieu de tout ça, qui se disait young adult, mais qui balançait totalement les clichés en l'air, qui était totalement nouveau, parce que bon, je sais que cette pensée me vient du fait que mon forum a des projets vraiment énormes, très atypiques, et que je me dis, mais ça serait génial de les voir en librairie. Mais dans le fond de ma pensée, je suis quand même à me dire, tout le monde sur le forum en globalité apprécie beaucoup ces projets, on les soutient à fond. Mais je me dis, une fois sorti au grand jour, est-ce que ça va vraiment plaire ou est-ce qu'au contraire les gens vont dire que c'est nul parce qu'ils ne comprennent pas toute l'envie qu'il y a derrière et
surtout le fait que, en fait, on n'a pas envie de faire comme tout le monde, on a envie de faire ce qui est à nous, mais ce qui est à nous ne va pas forcément plaire. Et ce qui m'embête dans ces cas-là, c'est qu'effectivement, la note ne va pas forcément correspondre au... Enfin, on va Je pas si comprends. bien se situer par rapport aux normes. Ouais. Et dans ces cas-là, l'objectivité, bah, C'est ça. ça fait peut-être passer à côté de très bons trucs. Ou si on tient absolument à être objectif, je vais être très sincère avec toi, être objectif, pour moi, c'est être totalement triste. C'est ne Non, mais je s'autoriser suis aucun d'accord. écart. Parce que je sais que j'ai croisé beaucoup de gens qui ont dit, bah oui, mais ce n'est que ton avis. J'ai dit, bah écoutez, oui, c'est mon avis, mais j'ai le droit d'avoir un avis. Ah Donc, oui, j'ai que ça d'ailleurs, mon avis, c'est c'est ça. tout quoi. Voilà, c'est dans ce cas-là, ça veut dire, mais en gros, en te disant ça, pour moi, c'est mais pourquoi t'existes? C'est exactement ça. Et je me disais, mais que font ces gens en fait de leur plaisir, de leur... Et c'est pour ça que j'ai parfois beaucoup de mal à regarder des vidéos du Randall. J'ai l'impression qu'il ne prend aucun plaisir. Ce qu'on me disait justement quand je disais à mes amis, bah, ce livre-là a tel ou tel souci, elle me disait, mais tu prends plus de plaisir. J'ai dit si, mais avec des livres qui vont me convenir à moi et qui ne vont pas avoir ces défauts qui pour moi me sautent tout de suite aux yeux et qui moi ne me conviennent pas. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on on fait taire nos sensations pour parler de l'œuvre de manière mécanique, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, bah, on laisse de côté nos émotions, nos ressentis, notre plaisir pour en parler de manière plus sobre. Et du coup, tu as utilisé un mot, je sais plus lequel, mais c'est qui résumait parfaitement ça, c'est que, ouais, enfin, on n'y prend plus plaisir, quoi. C'est triste. Triste, ouais, Mmh. voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, c'est C'est pour ça que triste. je commence à me dire que sur Internet, en fait, j'ai l'impression que tout le monde court après l'objectivité. Non, mais Et c'est je me ça. dis, mais c'est peut-être un objectif totalement stupide parce que de un, pour moi en tout cas, on ne peut pas l'atteindre. Donc c'est quelque chose de vain. Et dans mes cours de philo, on a dit aussi que les désirs vains sont dangereux pour l'être humain. Et en plus... C'est infiniment triste de vivre en étant objectif. C'est, je sais que je préférais mille fois n'avoir que mon avis, le partager et simplement que des gens le regardent et voient si ça les impacte ou pas, plutôt que de tout le temps chercher absolument l'objectivité et enfin, je vois l'objectivité comme quelque chose de très rigide. Quelque chose qui obéit absolument à des lois, à des règles et qu'au C'est final ça. s'enferme totalement, alors que la subjectivité est beaucoup plus libre. Tu ne t'imposes pas de contraintes, tu laisses juste parler ce que tu ressens toi en tant que sujet. Et finalement, bah, les autres s'en fichent ou ne s'en fichent pas, c'est leur problème. Mais toi, tu te sens peut-être plus libre de faire comme ça. Eh oui, mais je crois que j'avais raison quand j'ai soulevé le fait que c'est parce qu'aujourd'hui, enfin d'avoir lié ton sujet avec le fait qu'aujourd'hui on est dans une ère de regardez-moi, je suis unique et de faire le buzz, c'est justement parce que la subjectivité ne fait pas couler d'encre, ni d'encre virtuelle. C'est parce que c'est trop simple et parce que ça... Enfin, je parle pour le... Je parle pas pour moi, hein. Moi, je suis à fond pour la subjectivité, mais je pars dans l'ère actuelle. C'est quelque chose qui ne fait pas vendre, c'est quelque chose qui ne fait pas parler, et quelque chose qui ne fait pas de vent, qui ne brasse pas d'air, c'est quelque chose qui ne peut du coup pas ramener d'argent ni de popularité. Or, aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent et de la reconnaissance. Et dans l'ère où nous vivons, si tu restes simplement subjectif ou tu exposes simplement ton avis, comme moi par exemple je le fais dès que je vais voir un film, ben je fais pas le buzz. Parce que justement je dis mon avis et je veux pas faire celui qui va piocher dans tous les petits défauts que personne n'aura vu juste pour être unique. Alors par contre on pourra me contredire là-dessus parce que c'est paradoxalement en disant mon avis sur un film que je me suis fait connaître.
C'est vrai. Mais je pense que à cette époque-là, on était au tout début de ça. Je sais pas si t'es d'accord, mais Je pense on était aussi. pratiquement au tout début de regardez-moi, je pense différemment. Sauf que moi, en fait, à aucun moment je l'ai fait pour ça. Parce que j'étais pas au courant de la tendance actuelle. Je veux dire, je faisais mes petites vidéos de jeux vidéo de mon côté. C'était tout, quoi. Et donc, je suis arrivé comme ça, sans crier gare, en m'attendant pas du tout à ce qui allait se passer. Et j'ai dit, mais non, moi, je pense ça. Et regardez, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Bon, j'y étais un peu fort, hein, j'avoue, quand je me revois encore aujourd'hui, je me trouve détestable, mais le fond y est, et je reste complètement d'accord avec moi-même dans cette vidéo-là, et je comprends pourquoi, à ce moment-là, j'ai fait le buzz, entre guillemets. Mais c'est parce que justement, on est dans l'ère où bah, ce sera celui qui aura les idées les plus uniques ou qui les défendra de la meilleure manière qui, justement, sera le plus intéressant. Et aujourd'hui, eh ben on est dans la phase de plus tu trouves de défauts, plus tu l'analyses de manière intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire plus tu as de savoir, plus bah du coup, ça y est, tu vas te faire voir, tu vas être vu et tu vas faire le buzz. Et donc du coup, cette recherche de défauts pour descendre un film, ça tue la subjectivité. Et donc ça rend tout, comme tu l'as très bien dit, triste. C'est malheureux. Mais c'est l'époque. Voilà. C'est dommage. Donc il faudrait que la subjectivité revienne et qu'on y trouve un intérêt. Mais bon, là, je veux pas être défaitiste. Je veux pas perdre foi en l'humanité, mais je suis pas trop trop optimiste, quoi. C'est vrai. Là, je pense peut-être que c'est aussi à cause de notre environnement. On nous dit souvent, sois objectif, pense intelligemment, pense droit. Enfin, même à l'école, quand tu pensais à donner une note, je me disais, bah ça, de toute façon, on le fait dès l'école, hein, nous donner une note pour savoir si on est plus ou moins bon, si on est plus ou moins bien. Moi, je sais que comme je suis dans le milieu littéraire, on dit souvent que les matières littéraires sont très dures à noter, mais c'est vrai, parce que c'est que des subjectivités qui s'expriment. Comment veux-tu savoir si vraiment un devoir est bon ou pas? Bon, tous les profs vont me tomber dessus en mode, si, si, on peut savoir. Oui, si vous voulez, mais ce ne sera jamais. Je suis prête à parier que on donnerait le devoir d'un même élève à trois profs différents, il donnerait trois notes différentes. Ah mais c'est clair, mais c'est obligé, c'est. Après, tu vas avoir justement les profs qui vont essayer de délaisser. En fait, est-ce que la meilleure note, ce serait celle où le professeur va essayer de couper toutes ses émotions et d'essayer de ne juger l'œuvre uniquement par les normes? Mais en fait, si, pour moi, si, c'est ça, parce que. Parce que dans ta scolarité, on t'apprend ces normes. Et en gros, ce qu'on te demande, c'est de les respecter. Mais effectivement, si la note est différente d'un prof à un autre, ce qui est malheureux, mais ce qui doit être le cas, malheureusement, c'est que la meilleure note du prof, eh ben, enfin, la meilleure note entre deux profs, ce sera celle où le prof aura réussi le plus à se couper de ses émotions. Ben, pour moi, c'est ça. Je sais pas Ah si, si. oui, parce que bah, faut bien se référer à un barème, mais après l'ennui C'est c'est ça. que un élève peut avoir de très bonnes idées ou qui ne correspondent pas du tout à la norme, mais Et ben c'est peut-être là où un prof, ah si, ou un bon prof, entre guillemets, peut dire, bah écoute, il y a des choses qui ne vont pas, mais oui, voilà. tu es parti dans des sentiers et tu as développé des idées qui sont intéressantes. On voit que, voilà, enfin tu as des idées, tu as quelque chose à défendre et tout, et finalement c'est bien. Alors je t'ai pas noté que sur les normes, que sur les critères à respecter, mais sur ton inventivité. Ouais, ça c'est. Et c'est vrai que quand un prof te dit ça, bah, ça te fait plaisir. Parce que au-delà du fait d'avoir respecté des normes, ce qui est bien aussi, c'est de voir si dans le domaine professionnel ou si quand tu vas si tu en fais ton métier et que tu vas appliquer ça dans ta vie. Est-ce que avec ta manière de réfléchir et ta manière d'avoir abordé le sujet, eh ben, ce serait passé ou pas dans la vraie vie? Ça, au final, oui.
C'est peut-être un autre bon critère à prendre en compte. Et c'est là où le prof peut être bon aussi. À ne pas se cantonner qu'aux critères. Mais encore une fois, tu as soulevé un truc intéressant en parlant de tout ça, c'est qu'effectivement, on est dans une société où, en fait, on nous coupe de nos émotions. Quand tu vas dans un entretien, il faut abandonner tes émotions. Oui, c'est ça. Il faut être le plus objectif, entre guillemets, possible. Il faut, enfin, aujourd'hui, même dans un métier, au travail, si tu laisses transparaître tes émotions, tu es mal vu. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui m'embête beaucoup quelque part, parce que du coup, ça se répercute sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on vit. Mais Et oui. je me dis, mais c'est limite malsain en fait. On n'est pas des machines, on est des humains, on est subjectifs. Il faut l'accepter au bout d'un moment. Vouloir nous couper, nous enfermer absolument dans l'objectivité, pour moi, ça ne sert strictement à rien et c'est malsain. Oui, on nous fait devenir des robots alors que nous sommes des humains avec des émotions. C'est dommage. C'est très dommage, oui. Ouais. Bon. Mais bon, j'ai bien peur que malheureusement nous allons finir ce podcast sur une note un petit peu défaitiste. Négatif, oui. Mais en même temps, on n'y peut rien, on essaye de voir un petit peu. Bon, les solutions pour que ça aille mieux, bah, ce serait qu'on accorde peut-être un peu plus d'importance à la subjectivité, mais voilà, le problème Dire c'est à que. tout le monde que ce n'est pas une honte d'exprimer son avis personnel. Et si les autres disent ce n'est que ton avis, bah faut juste répondre bah oui, et j'ai le droit de le dire. Carrément. Ouais, complètement. Ouais. Et puis même ça s'étale à tellement de choses. En fait, c'est dès le moment où on applique des normes, dès le moment où on colle des étiquettes que ça ne va pas. Il y a qu'à regarder, pour prendre encore une fois un autre domaine et qui nous touche plus personnellement, c'est les critères de beauté. Oui. On a établi des normes de beauté, et dès le moment où moins tu as de ces normes, plus tu es moche, comme on dit. Et donc, c'est la même chose que pour les défauts. Tiens, bah, t'as pas d'abdos, t'as du gras, t'as un strabisme, tu machin, et bah, plus t'as des trucs comme ça, plus bah, tu vas être mis dans la case moche. C'est dommage. Voilà. Mais c'est la société actuelle, c'est comme ça, c'est dans laquelle on vit. Mais effectivement, voilà, comme tu dis, ce qui serait voilà, bien ou. Ouais, c'est de dire tout simplement, bah, en fait, de pas se laisser aller. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, et bah, de pas avoir peur, ouais, de donner votre avis, et que si on vous dit, bah, ton avis est nul, ou c'est pas comme ça qu'il faut penser, et tout, bah, de s'en foutre. Et de se dire, bah voilà, c'est comme ça que je pense, et c'est pas autrement. Et je vois pas pourquoi, bah, je me laisserais influencer alors que c'est ce que je pense. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet. Tu vois, je vois que ça fait 43 minutes qu'on parle. En fait, j'ai pas vu le temps passer. Non, juste dire effectivement que bah, je pense que vraiment, dès le moment où on se dit je suis subjective, c'est pas grave, tout va beaucoup mieux, franchement. Je sais que depuis que je pensais et depuis que je considère du coup tous les autres comme étant subjectifs comme moi, et donc que nous parlons tous à égalité, je sais que ça va beaucoup mieux. Je me dis, bah, j'ai un avis qui. Parce que je sais que. J'ai pu penser des fois que j'avais un avis différent et que du coup je me sentais malheureuse de pas être comme les autres. Mais un jour je me suis dit, surtout avec Star Wars 8, quand j'ai vu que beaucoup de monde pensait différemment de moi, je me suis dit, mais je n'ai pas envie finalement de penser différemment juste parce que les autres pensent différemment et qu'ils pensent que c'est objectif. J'ai mon avis, j'ai le droit de l'avoir et je le garderai. Et pas forcément le défendre, mais juste ne pas avoir peur de le dire haut et fort aussi. Après tout, on est en France, on est en démocratie, à ce que je Ouais. sache. Oui, et que Donc c'est pas parce que peut-être. tu as un avis qui est différent d'une majorité que tu es forcément anormal. Oui, c'est ça. On vit aussi dans un pays où on a beaucoup de. Enfin, je sais pas, de pluralité, donc on n'est plus. Enfin, je vais dire, on n'est plus à ça près. Non, mais ouais, c'est On clair, a c'est un clair. avis différent. Écoute, c'est pas la fin du monde. Tu es un être humain. Là. Je vais même dire ceux qui osent dire leur avis et dire aux autres qui veulent de l'objectivité, non, moi je suis subjectif. C'est peut-être ceux qui sont les plus humains et ceux peut-être qui peuvent nous paraître. Enfin, moi en tout cas, je sais que c'est eux qui me paraissent le plus sympathiques. Ceux qui ont un avis, qui le disent
et qui s'en foutent royalement de ce que pensent les autres et de ce que disent les autres à propos de la normalité. Eh ben, écoute, je crois que j'ai rien à ajouter. C'est très beau et c'est très vrai en même temps, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, si tu oses dire ouais, ce que tu penses, bah, c'est que du coup, tu es connecté à tes émotions, tu es connecté à toi et donc tu es connecté à ta dimension humaine. Après, attention, pour les gens qui nous écoutent ou quoi que ce soit, on n'est pas en train de dire que juger un film, un livre, un jeu vidéo via les critères du domaine, c'est pas ce qu'il faut faire, ou c'est pas bon, ou dès que tu fais ça, t'es pas humain ou quoi que ce soit, on a le droit de le faire. On a le droit. Mais dans ce cas-là, enfin, je veux dire, il faut le savoir. On va dire, bon, bah, là, on va juger le film ou l'œuvre de telle manière. Et puis Et. certaines personnes ont besoin aussi de faire comme ça, ont Oui. besoin de se raccrocher à des choses. Et dans ce cas-là, ben, on revient aussi à la subjectivité. Dans ce cas-là, s'ils en ont besoin et s'ils font comme ça sans aucune prétention ou quelque chose comme ça, ben, s'ils en ont besoin, oui, tout à fait. C'est ça, parce que peut-être le problème, c'est la prétention. C'est de se dire, je juge en fonction des critères du domaine, donc c'est mieux que de le juger par les émotions. C'est ça. Il y a de ça aussi, il y a de la prétention. Pourquoi? Alors pourquoi on pense ça, à mon avis? C'est parce que réfléchir avec ses émotions nécessite beaucoup moins de ressources mentales que réfléchir avec les critères. Et aujourd'hui, si tu donnes une note, si tu dis ton avis sans avoir réfléchi, c'est que c'est pas un bon avis, parce que t'as pas réfléchi. Et du coup, en fait, ben, c'est pour ça que les vidéos de gens, bah, peut-être un petit peu comme moi, qui vont faire des vidéos où ils vont dire leur avis sans avoir préparé, bah forcément, c'est pas une bonne vidéo, parce que t'as rien préparé. Bah ouais, mais du coup, en fait, moi, ça me plaît de faire comme ça, parce que tout simplement, je lance la vidéo après avoir vu un film, et je dis ce que j'ai ressenti. Et je me suis jamais senti plus humain comme ça que de émettre un avis en ayant trop réfléchi, justement. Et c'est là où, quand je réfléchis trop, et ben c'est là où je me sens le moins naturel, en fait. Et c'est pour ça que ça me plaisait pas de trop réfléchir avant. Et c'est pour ça que ça me plaît, justement, de ne rien préparer et de lancer les vidéos et bam, vas-y, on parle comme ça. On laisse parler les émotions. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi je pense qu'on a tout dit, là on a On fait a le tour. fait un peu le tour, ouais. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez quelque chose à rajouter, s'il y a des choses qu'on a oubliées ou voilà, vous voulez nous partager, il y a aucun problème. On sera ouvert au débat de manière subjective sur ce sujet-là. Il y a aucun problème. Et puis bah voilà, bon, et bah ça aura bien fait travailler le cerveau, un petit peu de philo un dimanche soir, ça fait du bien. Enfin, moi ça me fait du bien la philo, hein. J'ai pas trop l'occasion de philosopher, enfin avec moi-même si ça m'arrive, mais c'est toujours plus agréable quand c'est partagé. Donc bah du coup, j'en profite pour te remercier pour ce sujet OCM et puis bah, tout simplement voilà d'être intervenu dans ce podcast-là. Voilà, c'était avec grand plaisir en tout cas de ma part. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Eh bien, il n'y a pas de souci, et tu es au courant que si jamais tu as d'autres sujets comme ça, eh bien, il n'y aura aucun problème. Tu sais qu'il y en a qui sont déjà bien habitués, Rexo, Locke, hein, eux, on les voit souvent. Mais c'est aussi ouvert aux nouvelles personnes, hein, ceux qui nous écoutent. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, il n'y a pas de problème. Vous regardez dans la description, vous avez tout ce qu'il faut pour me mettre en commentaire, pour m'expliquer le sujet que vous voulez aborder. Il n'y a aucun problème, on se calera un moment et on parlera comme je le fais là avec OCM, on partagera un bon moment ensemble. Voilà, écoute, je sais pas si tu as un dernier mot avant qu'on se quitte. Non, bah écoute, bonne soirée à toi et à tout le monde. Voilà, Et et n'ayez pas peur de votre subjectivité. exactement, on va finir là-dessus. N'ayez pas peur d'être humain, tout simplement. N'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, je te remercie encore OCM. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont écoutés durant ce podcast. Eh bien, comme d'habitude, je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Et ciao à tous!